a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, top of the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round, yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved, yeah, you all wanna be loved. But a champion, a champion. When I hear him come like my fuse and then... Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge. Là ce qu'on va faire dans cet épisode là, déjà je pense, c'est gagner un petit peu d'argent parce qu'ils ont grandi, il va falloir refaire leur chambre. Ils sont passés enfants dans le dernier épisode et comme vous pouvez constater, il faut qu'on gagne un petit peu d'argent. Et comme j'ai essayé de vous le montrer aussi dans l'intro, voilà, elle se lève la nuit pendant que ses enfants dorment pour essayer de gagner un petit peu d'argent parce que voilà, c'est pas encore ça, hein, niveau thune, on n'est pas encore bien. Et oui, et heureusement vous m'avez laissé des petits commentaires sous ma dernière vidéo pour me dire que les compositions se trouvent dans l'inventaire. Et du coup voilà, et il faut que je reprenne du coup les musiques pour pas à chaque fois recommencer. Voilà, donc là on va faire un petit peu le tour du patelin pour récupérer un maximum. Mais vous voyez, il n'y a que des trous et il n'y a pas grand chose en fait. Au niveau des trous, enfin ça donne pas grand chose, il n'y a plus de cailloux. Si là il y a un petit caillou, mais franchement ouais, la dernière fois on a envoyé je crois Angelo, si je me trompe pas, ramasser les cailloux et du coup ça n'a pas encore eu le temps de revenir, mais c'est un petit peu la reste et voilà, du coup j'aurais espéré rapporter un peu plus de cailloux, mais bon hein, on va pas chipoter. Oh tiens, bah là il y en a pas mal quand même. Là il y en a pas mal, là on va tout récupérer. Et ici aussi, tiens, ah non, on peut pas. Oh non, pas ça par contre. Ça m'énerve. Ça, quand on lui donne une liste de choses à faire à la Sims et qu'elle te manque de respect total en arrêtant de faire ce qu'elle était en train de faire. Merci beaucoup. Attends, parce que nouvelle grenouille. Dido là, oh, je pensais que ça allait être mieux parce que regardez, elle est au rouge la grenouille. Mais bon, au pire, de passer par là pour 3 cailloux. Enfin, au pire, on lui demande de ramasser celui-là. Et de... Ah voilà, ceux-là. Je pense que les cailloux c'est plus important, les trous j'ai l'impression que ça donne pas forcément grand chose, quoique des capsules ça vaut quand même 70 simples. C'est quand même pas mal. Mais bon, sinon on va continuer à... Écoutez, en espérant que cette fois-ci elle va pas arrêter ce que je lui ai demandé de faire. Voilà, les enfants sont en train de dormir. J'aurais laissé la petite lumière pour que ça fasse genre, voilà, puisqu'ils ont peur de dormir la nuit. Et du coup, bah écoutez, puisque... Des stress. Oh, lui, il fait peur. Il y a un monsieur devant la maison, il fait peur. Prendre une douche. Non, il n'y a pas besoin de prendre. Si, besoin. Et là, prendre des restes. Et est-ce que les devoirs sont faits? Je pense que je les avais faits. Oui, je les avais faits. Et quant à lui, il a juste envie d'aller au pistolet. Mais le problème, c'est que sa soeur, elle va prendre. Son temps à la salle de bain. On va le laisser dormir pendant ce temps-là. Et on va revenir vers elle. Qu'elle nous ramène un maximum d'argent et on va demander de composer, mais elle a besoin de dormir donc je pense. Et regardez, pourquoi elle ramasse pas tous les cailloux? Je t'avais demandé, ramasse celui-ci et celui-ci s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Regardez, et elle arrête encore. Oh là là. Oh. Ah bah tiens, on va le réveiller, il va aller aux toilettes comme ça. Et là, il y a un caillou aussi, là. Oh, il y a un caillou qui vient de réapparaître, je crois, en plus. Je crois qu'ils sont en train de réapparaître tout doucement. Et là, on a envie de se mettre à composer un morceau. Oh, si je pouvais faire ça en même temps, ce serait cool, non? Bon, allez, fais ça, et puis après, va composer rapidement, juste histoire de faire un genre que tu as commencé. Voilà. Juste pour les points, parce que les points sont vachement intéressants, parce qu'au bout d'un moment, on pourra lui augmenter des trucs, genre elle aura envie de moins dormir, elle aura moins faim. Oh non, elle a perdu. Ok, bon.
ce sera l'heure d'aller au dodo. Du coup, bah, rentre quand même à la maison. Voilà, va quand même te coucher. Et nous, ce qu'on va faire, t'inquiète pas, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et les enfants, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de regarder la télé. Alors attendez, parce qu'on avait dit que les enfants pouvaient devenir, d'après le règlement, ils pouvaient devenir adolescents à partir du moment où ils avaient un A à l'école. Et ils sont partis à l'école, et puis ils ont un C pour le moment. Bah oui, bah écoutez, on n'a pas encore le temps. Mais les devoirs ont été faits. Atteindre les compétences, c'est pas mal. Est-ce que lui, c'est pareil? Est-ce qu'au niveau de l'école, c'est bon? 2 dans une compétence. Bah écoutez, c'est parfait. Elle vient de rentrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les enfants, pour aider les parents? C'est vrai qu'on pourrait l'envoyer creuser des petits... Non, il peut pas creuser, lui, par contre. Mais peut-être que des cailloux, ils ont... Enfin... On peut rien faire avec les lucioles, mais j'allais dire peut-être que les cailloux sont réapparus. Et effectivement, il y a quelques cailloux qui ont réapparu. On va lui demander de faire ça, du coup. Pourquoi pas. Et du coup, dans son inventaire, qu'est-ce que nous avons que nous pouvons vendre? Ça, on vend... 140 simplouz, merci. Merci beaucoup. 30 simplouz, on vend, ça vaut pas la peine. Ça va, ça a été quand même une petite balade fructueuse. Ça, on peut vendre, hein, ouais. Oula, 40 simplouz, ouais. Combien? 70, pas mal, hein. Et 70. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Puisqu'ici, nous pouvons encore revendre. Hop. Les grenouilles. Et voilà de l'argent. C'est parfait. Lui, il est parti. Dans son inventaire pour l'instant, il n'a encore rien creusé. On va le suivre, tiens. Chercher les cailloux. Ouf, elle fait travailler son... Oula, c'est quoi ça? Une poupée vaudou de Madame Zoé à 950 simflouz. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'en fais? Je peux la placer dans le monde. Oh, ah oui, pas mal. Et tout ça dans un caillou? 950 simflouz, je dis pas non, moi. Mais est-ce que c'est bon de le vendre? Ouais, je vais le vendre, je vais le vendre. Alors dites-moi ce que vous auriez fait en commentaire, parce que je vous avouerai que c'est la première fois que je tombe sur ça. Et pourtant, j'en ai creusé des cailloux. Du coup, je suppose que j'aurais pu le donner à un adulte et elle aurait pu l'accrocher peut-être au corps de quelqu'un, je ne sais pas, piquer un cheveu à quelqu'un. Et voilà. Bah écoute, autant je préfère qu'il fasse des bêtises dehors qu'à la maison, mais bon, quand même, s'il pouvait éviter quand même, ce serait cool. Et là, il n'y a pas de cailloux. Est-ce qu'ils peuvent ramasser les plantes? Non. Ils peuvent contempler les plants, mais dommage, c'est dommage, je vous l'avais déjà dit en plus, c'était dans le bad challenge, que je trouvais ça dommage que les enfants ne puissent pas faire de jardinage. Alors que je trouve qu'il y a des ateliers jardinage pour les enfants depuis très jeune. Hein. Par exemple, moi je me rappelle quand j'étais, bah, je crois que c'était encore en primaire, on avait des petits pots de yaourt dans lesquels on avait mis de la terre et une petite graine. Donc on devait ramener des graines. Dites-moi si vous aussi vous avez fait ça. Moi j'avais ramené, je crois, des graines de pastèque ou des graines de pommes, je me rappelle plus. Des petits pépins en fait, et on les avait mis dedans. Donc je trouve que le jardinage aurait pu être quand même ouvert à... Enfin, dans les Sims, ça aurait pu être disponible même pour les enfants, quoi. Que je sais pas si j'aurai le temps d'aller jusque là, étant donné qu'après, il faut aller à l'école. Et ça fait quand même pas mal de chemin. Ça fait pas mal de chemin, mais en tout cas, waouh. Cette poupée, elle a refait ma journée, je crois. Je crois que la poupée, elle a refait ma journée. Hein. Bon, laisse tomber pour le caillou. Va falloir que t'ailles à l'école. Tant pis. Est-ce que la maman, elle s'est bien reposée? Est-ce que maman a bien fait dodo? Voilà, on fait copuler des petites grenouilles. Voilà, maman ne s'est pas encore assez reposée. Et ça, on va éteindre tout le monde. Ah, ça va faire une facture. Oh mince! Encore un contrôle sous forme de QCM. Angela a presque fini lorsqu'elle réalise qu'elle a sauté une question au début. Presque toutes ses réponses sont donc décalées d'une ligne. Elle commence à tout expliquer à l'instituteur, mais se rend compte qu'elle va devoir repasser le test. C'est juste pour les statistiques scolaires, régionales, car ses résultats n'auront pas d'influence sur sa moyenne. Rendre sa copie ou... je sais pas, je me rappelle plus exactement ce que ça pouvait faire. Bon, on va avouer l'erreur. Alors, comme le craignait Angela, l'instituteur lui reproche son insouciance et la fait revenir pendant la récréation pour repasser le QCM. En colère, Angela répond de manière aléatoire pour que les cases cochées fassent un joli motif sans même regarder les questions. Ah, bah mauvaise réponse que j'ai mis, mauvaise réponse, j'ai essayé de jouer la carte de l'honnêteté, mais apparemment c'était pas la meilleure des choses à faire, hein. Mince, mais c'est pas bien grave, hein, tant pis, hein. Elle a pas eu de perte de performance, faut retenir ça, il n'y a pas eu de perte de performance et ça c'est... Ça, c'était important.
Écoutez, ben, je pense que dès que les enfants vont rentrer, on va faire un petit relooking. Alors, je suis allée voir les règles du 100 Baby Challenge, parce que voilà, les règles sont comme ça, c'est très très strict ce challenge-là, donc voilà, si je fais des erreurs, ne m'envoyez pas. Mais je n'ai pas trouvé de règlement par rapport au relooking. Alors, bien sûr, je vais faire un relooking où je ne vais pas changer la morphologie des Sims, hein, parce que ça, pour moi, ce serait tricher, et du coup, il faudrait utiliser le casse.full edit mode, qui, pour moi, ce serait de la triche, mais genre, changer en utilisant le miroir ou changer de tenue, pour moi, ça devrait pas être interdit, hein, parce que, bon, c'est pas interdit d'aller chez le coiffeur, hein. Là, clairement, on va pas leur changer non plus la peau, la couleur des yeux, etc. Ça, tous les trucs morphologie de gène, on ne changera pas. On changera, par exemple, l'aspect vestimentaire et, par exemple, la coupe. Parce que ça peut faire grand-chose. Hein. Surtout la coupe, quand t'as une petite qui a des cheveux gris, c'est très chelou. C'est très, très chelou. Par contre, elle est triste, elle est mal à l'aise à la fin. Elle va aller, ne t'inquiète pas, tu vas aller manger, tout va bien. Tu vas voir, tout va bien. Alors ça, acheter un instrument. Non, pas acheter. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de bouffe? Si les enfants ils viennent, est-ce qu'il y a de quoi faire? Il en reste deux. Ouais, il va falloir bientôt qu'on s'occupe à faire à manger. Hein. Il va falloir qu'on s'en occupe. Ok, après la nourriture, on va lui demander de composer, de continuer sa composition. Ce serait bien de finir cette composition d'ailleurs. Voilà, parfait. Dans une heure, les enfants vont rentrer. On va pouvoir leur demander de faire les devoirs. Quoique, Angela est très très en colère. Ça va être compliqué. Mais d'abord, on va faire le petit relooking quand même. Hein. On va faire le relooking dès qu'ils rentrent. Alors, j'espère que le relooking va vous plaire. Hein. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que c'est. En soi, voir un enfant renard la nuit, ça dérange pas. Alors, on va demander de... comment qu'on fait ? On peut pas lui changer, s'entraîner, prévoir une tenue, se modifier, c'est tout calmer. Comment qu'on fait? Parce que là, si je demande à elle, ce sera que elle, c'est ça. Parce qu'on peut prévoir des tenues, mais comment faire pour changer la coupe d'un enfant sans passer par le casse edit mode, enfin utiliser, se motiver, s'entraîner à faire un disco. Est-ce qu'on peut lui changer sa coupe? Bah, attendez, on va essayer de demander à elle de le faire. Et est-ce que elle, quand on va lui demander... on peut changer le Sims. Est-ce que du coup ça va emmener ses enfants avec dans l'éditeur des Sims? On va découvrir ça ensemble. Mon téléphone va s'éteindre, il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Je le chargerai après. Oui. Ses enfants sont là. Ses enfants sont là avec elle. Alors elle, on n'a pas besoin de la modifier, alors on va prendre... Bon, on va commencer par lui, mais en soi, franchement, j'aime bien comment il est. Je trouve pas qu'on ait besoin de changer. Je trouve qu'il a une bonne tête. Il a une bonne tête, ce petit. On va essayer pas non plus de trop modifier. Hein. Ouais, mais ça, parce qu'à la limite, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que les coupes là... Non, je vais mettre celle-là. Celle-là est sympathique. J'avais dit, bon, les sourcils, on essaie de changer, mais vraiment minimum, quoi. Pas trop modifier. Faire quelque chose de sympa, de simple. Voilà. Le jeans me plaît bien. Les chaussures, on va essayer de trouver des petites chaussures noires. Ouais, comme ça, il est bien. En tenue, habillé. On va voir si je peux pas lui trouver des chaussures en... Ouais, rouge, comme ça c'est assorti. C'est pas très beau, mais on va essayer comme ça, pour le sport. On dirait un plombier. On dirait vraiment un plombier, là. Mais bon, on va laisser. Pour le dodo, ça par contre, ouais, on va modifier. Il y a pas mal de choses à modifier, je pense. En soi, on va peut-être lui enlever les chaussures. Et on va lui enlever ça, ça... et puis voilà, il est devenu à peu près normal. Pour la fête, ouais, ça passe. Et pour ça, ouais, ça passe aussi. Est-ce que ce serait un CC, ça? Oui, c'est un CC, je me dis bien. Le... Comment c'est fait, c'est... Enfin... La façon de comment ça ressemble totalement à un CC, en fait. Alors, pour elle, il y a un peu plus de taf, je pense, parce que du coup, ça va pas du tout. On dirait une mamie petite, quoi. Une petite mamie.
Là, faudrait que je change, ça déconne. Quoi. Lol, on dirait un user cruel d'MSP, lol. Bon, ok, je me calme. On va repartir sur une coupe qui ressemble à celle-ci. Bah, après, celle-ci en soi. Faudrait que je la désinstalle, je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle fait trop. Les couleurs, ça va pas. Mais un truc à peu près de la même, même si j'utilise. Hein. Et c'est vrai que, regardez, on n'est pas super gâté au niveau des coupes. Hein. Je change la couleur des sourcils, mais du coup, vu qu'ils sont jumeaux-jumelles, on va essayer de leur donner, bah tiens, celle-ci, à peu près la même couleur de cheveux, et ouais. Celle-ci est pas mal, j'aime bien, mais niveau de la longueur, ça correspond pas forcément à ce qu'elle avait. Hein. Ouais, ça, ouais. La couleur du sourcil. On va mettre, voilà, un sourcil de base du game. Et ouais. Les yeux, ben du coup, ils ont les mêmes yeux. Mais là, on va changer sa tenue. Là, elle est encore tenue quotidienne. Une petite robe avec des chats, ça passe. Hein. Et. Une petite tenue. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, comme tenue habillée, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Hein. Peut-être les ballerines plus adaptées. Ouais, comme ça. Pour le sport, ah, t'as décidé de faire comme ton frère, toi. Mais j'adore regarder, mais ce t-shirt est trop mignon, bulle bizarre. Il est trop chou. Bon, on peut laisser les chaussures, ça va pas avec le reste, mais sinon, c'est sympa. Ouais, t'es en blanc. Voilà, pour le sport, on est ok. Bon, pour le dodo, dormir avec des lunettes de soleil, hein, surtout de soleil, encore pire que les lunettes de vue. On va enlever les chaussures, mais on peut lui laisser les chaussettes. On peut lui laisser comme ça. C'est juste lui enlever, enlever les lunettes. Parce que les lunettes, ça va pas. Les lunettes, ça va pas du tout. Et pour la fête, ouais, ça passe. Pour la fête, ça passe. Et bah, écoutez, si on peut juste adapter le bas avec le haut. Mettons une couleur. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Bah écoutez, voilà, relooking des jumeaux. Hein. Franchement, il est beau gosse, je trouve. Je préfère à la limite Angelo que Angela. Je veux pas faire de sexisme, mais je trouve qu'il est plutôt beau gosse avec sa petite chevelure sur le côté, genre en mode comme un peu vintage, comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, l'objectif est de gagner de l'argent avec les compositions pendant que les enfants partent à l'école. Et ensuite, une fois qu'on gagnera de l'argent avec les compositions, on va pouvoir commencer à tomber enceinte en répétition puisque là clairement on n'a pas la maison adaptée pour pouvoir faire une limite, une garderie hein, pour les enfants et les futurs enfants. Alors, ils viennent de rentrer, par contre ils sont pas du tout contents. On va demander à elle de peut-être de faire un repas. Non, il y a encore assez de repas pour maintenant, mais après ce soir il va falloir qu'on lui demande de faire la nourriture pour tout le monde. Voilà. Et là on va demander de reprendre le morceau. Alors elle, ça va être compliqué de lui demander, on va les laisser manger. En général, la bouffe, ça calme. Par contre, elle est vraiment très, très énervée. Elle est très, très vénère. Elle est vénère. Et quant à lui, on va lui demander de faire les devoirs. Hein, tant qu'il est dans le bon mood. Faire le devoir. Ensuite, aller manger. Et ensuite, bah tiens, regarder la télé. Regarder la télé. Voilà, regarder. Et on est bon. On pourra accélérer un petit peu tout ça. Mais, Non, mais là, en plus, on a quand même pas mal de candidats comme futur papa. Au niveau des candidatures, on est plutôt pas mal. Alors, attendez. Ça, je prends vite. Hop. Est-ce que tu vas mieux? Bon, on va la laisser aller se coucher. On va peut-être la calmer, parce qu'elle est vraiment pas bien. Combien de temps elle va être en colère encore? 5 heures! Oh, mon Dieu! Bah, écoutez, je dors bien. Hein. Alors, elle a la moitié de sa composition. Alors, Angelo, il a fini ses devoirs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'école? Il se demande si je veux venir chez lui. Non, si tu veux, tu peux venir voir Angel, il n'y a pas de souci. Par contre, l'inverse, c'est compliqué. Alors, on a un petit C encore. Oh, par contre, il a terminé ses devoirs. D'accord, je pensais que ça allait être plus rapide, qu'on allait au moins avoir un B aujourd'hui, mais non. On peut pas faire de devoirs supplémentaires. Comment on fait pour faire? Parce que je sais qu'avec certaines personnes, j'arrivais à faire des devoirs supplémentaires, mais apparemment pas avec tout le monde. Je sais pas pourquoi.
Ah bah c'est bien, parce qu'il mange et il regarde la télé en même temps, 2-in-1, pourquoi pas. Non, je la sens, elle va faire des bêtises. Ah non, elle veut juste aller jouer. Est-ce que dans cet état-là, elle peut faire ses devoirs? Écoute, même dans cet état-là, on va lui demander de faire ses devoirs. Ce sera pas forcément de bien fait, mais... Et après, on lui demandera d'aller jouer, voilà. Non, tu vas pas le casser. Non, ça tu... Non, tu nettoies pas non plus. Voilà. J'aimerais bien qu'elle termine une composition, histoire de savoir si on peut déjà, au niveau 8 du piano, pouvoir vendre les compositions ou toujours pas. Alors, où est-ce que tu en es? Elle a fini ses devoirs et elle va jouer. Ça va. Juste, ne casse pas le jouet, s'il te plaît. On n'a déjà pas forcément beaucoup d'argent. Ça va, 4000 simflouz, mais juste, ne casse pas, s'il te plaît, ne casse pas. Merci de ta compréhension. Merci bien de ta compréhension, mais si tu pouvais juste ne pas te détruire, ce serait cool. Voilà. Alors, pour la maison, je pensais par la suite tout modifier, du genre mettre la chambre ici au lieu de la salle de bain, laisser la cuisine et le salon comme ça, et faire ici tout au côté, garderie, machin, etc. Faire une énorme extension vers là, en fait, avec une sortie vers le jardin. Alors, donnez un titre à votre nouveau morceau. Angèle vient de terminer la composition d'un morceau. Comment voulez-vous l'intituler? Alors, j'ai souvent de l'inspiration pour les livres de Wendy, en tant qu'auteur, compositeur de livres, mais non, auteur juste. La première composition s'appellera la première composition. Là on sent l'inspiration venue de l'outre-monde. Composition. Ah, c'est trop long, d'accord. Ok, on peut pas faire des aussi longs titres que pour les livres. Composition cosmique. Voilà, on va appeler ça comme ça. Me demandez pas d'où ça m'est venu, mais voilà. C'était de l'outre-monde, ça m'a pensé à cosmique. Et vu qu'elle l'a fini, comment ça marche? Est-ce qu'on peut... Non. Comment ça marche? Parce que je l'ai fait, le morceau. Comment je fais? Parce que du coup, on m'avait dit que c'était niveau 9 pour pouvoir les revendre, mais... Attends, non, je mange tranquille ton gâteau. D'ailleurs, tiens, si tu veux, tu peux faire à manger pour que le matin, quand les enfants se réveilleront, ils auront de quoi manger. Et bon, des boulettes de viande à l'italienne, tiens. J'ai pas fait souvent ce repas-là. C'est un gâteau. Hop, merci, au revoir. Et quant à toi, tu pouvais dormir. Mettre éclairage automatique. Plus d'éclairage. Voilà, c'est mieux. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Mais finis au moins ta bouffe, quoi. Je sais pas, laisse pas ça au milieu de la cuisine, ça va périmer en plus. Je te demande juste de préparer et ensuite d'aller dormir. C'est tout ce que je te demande. Enfin, quoique, peut-être aller aux toilettes avant d'aller dormir. Voilà, ce sera encore mieux. Je t'ai pas demandé de manger, par contre. Hein. Et l'état à qualité normale. Bon. Bah, écoutez, vu qu'elle a commencé à manger, on va la laisser manger. Hein. Pourquoi pas, écoutez. Hein, voilà. Mange. Et on va jeter l'assiette. Voilà. C'est très économique hein, de jeter des assiettes. Hein. Ça vous fait gagner 30 simflouz. Et je rappelle, plus il y a deux personnes dans le foyer, plus la poubelle génère des simflouz. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 80 simflouz par objet jeté dans la... Objet, assiette, ce que vous voulez, détritus, jeté dans la poubelle. Donc c'est intéressant, ça, même si la poubelle, je crois, elle vaut entre 1100 et 1200 simflouz. Mais au final, elle vous revient quand même assez rapidement. Hein. Vous récupérez assez rapidement l'argent. Surtout si en plus vous demandez à vos Sims, vous faites attention à ce qu'il ne nettoie pas. Tu vas pas le casser, non ça va, il va jouer, donc c'est bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Dites-moi si le relooking vous plaît. Hein. Bien évidemment, j'ai essayé de rester, on va dire, assez neutre, assez naturel dans le relooking pour rester sur les gènes de base. Et rester sur, bah du coup, j'avais pas changé la couleur des yeux, etc. Parce que ce sont des choses que, selon moi, ne devraient pas changer. La coupe, la tenue, ça se change, bien sûr. On va chez le coiffeur, on peut s'acheter des nouveaux vêtements. Par contre, les gènes, etc., ça, j'ai pas voulu changer. J'ai voulu rester... Bon, après, j'avoue.
Il y a juste la petite Angela qui avait les cheveux gris de base, mais bon, ça faisait tellement pas naturel. Et vu qu'ils sont jumeaux, bah, je me suis basée sur son frère pour cette couleur. Voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous plaît, à partager la vidéo. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.